Bonsoir YouTube, bonsoir bande de confinés. On se poursuit notre ligue de Blood Bowl, on est toujours en ligue du vieux monde, division bronze, la division la plus pourrie. On reste sur 3 victoires en 3 matchs. Par contre, on a perdu un joueur au dernier match sur mort. On a quelques blessures, les orques ne nous ont pas fait de cadeau. Et cette fois-ci, on affronte C'est parti. nos co-joueurs, co-premiers. Qui sont un petit peu embêtants. On a 120 000 dans le porte-monnaie. On va se prendre une relance d'équipe. Du coup, il nous reste 20 000 dans le porte-monnaie. Sorcier, c'est trop cher, trop cher. Chef cuistot, c'est trop cher. Les champions, c'est même pas la peine. Mercenaire, non plus. Et la serveuse de Bloodvisor, on pourrait la prendre éventuellement. Ça pourrait servir à avoir des gens pas trop trop défoncés. Mais on a déjà pas beaucoup de thunes et j'aimerais bien reprendre des relances d'équipe pour le match suivant. Du coup, on va pas dilapider notre fortune. On va affronter des morts-vivants, je sais plus du tout leur style de jeu. J'espère que c'est pas des bourrins, parce qu'on a déjà donné. Bienvenue, chers amis fans de sport. On les respecte en défense. 5 en force, très bien. 3 en force, 2 en agilité, ok. C'est quoi ça? Régénération, ouais, c'est pour les sorties, c'est pas grave. Toi, t'as blocage et régène, ok, ok. Blocage, esquive. Oh, blocage, esquive, il va être relou. Ok, donc défense. Ça sert à quoi de garder des thunes? À pouvoir racheter des joueurs au prochain match, à pouvoir acheter éventuellement des bonus comme des relances d'équipe, etc. Qui peuvent être utilisés durant le match pour améliorer un jet si jamais on a fait vraiment un jet trop pourri. Du coup, ça peut être utile, ouais. On va tenter le quinconce. On n'a pas beaucoup de coureurs d'égout. Allez, on va dire que c'est pas mal. D'accord, les momies restent derrière. Et un blessé de leur côté. Parfait. Les supporters d'une équipe envoient un gros rocher sur l'équipe adverse. T'as pas du tout de costaud, toi? Bah non, pas vraiment. J'ai il perd un point en force définitivement, en plus c'est dur. J'ai le rat garou, enfin le rat géant éventuellement qui peut servir, le rat ogre qui peut servir, mais il a quand même des gros malus. Ok, il file ça à une ghoul pour le dealer, mais why not? Qui a esquive, ça peut être chiant. Ils ont l'air quand même moins bourrin que les orques, ça devrait être un petit peu plus équilibré. Surtout un petit peu moins sanguinolent. Ça blitz la vermine de choc. Par contre, ça laisse du coup. Non, mais merde. Ça recommence. Ça laisse le porteur de ballon très très exposé, c'est bizarre. Ils ont sûrement du mordant et mort-vivant. Oui, ils ont des zombies donc ils ont du mordant. Après, il a 2 en agilité, 3 en force, c'est pas non plus le pire. Bon, c'est pas le pire premier tour qu'on a vu. Loin de là même. Peut-être déjà venir là. Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'en-but est en vue. Tom, tu vas essayer de défoncer le zombie. Ce joueur préfère se battre entouré. C'était nul, mais bon, c'est pas grave. Tu as le poursuivre pour continuer de bloquer. D'être resté debout. Plus dur sera la chute.
J'ai pas un mec avec une capacité de blocage qui va bien. On va essayer de neutraliser son bonus de soutien. Le porteur risque le plaquage. C'est le genre de situation que j'adore. Hop. Mais courez vers le porteur du ballon pour le bloquer. Et si ça donne rien, on va essayer de le tabasser. Tentez dans la figure. On le tabasse. Et on le fout KO, c'est parfait. Ce joueur a quitté le match. On n'en demandait pas tant. Aussi son enveloppe charnelle. Le ballon est là-bas. On peut tenter le ramassage. Oh, et on réussit le ramassage. Quelle action! Ah, c'est pas la même que contre les orques, hein. Toi, tu vas essayer de défoncer le zombie, du coup. Très bien. Hop, tu peux le poursuivre. Voilà. Toi, j'aimerais bien que tu puisses un petit peu gêner de ce côté-là. Voilà. Bien! On a récupéré le ballon, c'est un vrai bon tour. Putain, c'est tellement lent, ça. Alors, c'est impressionnant, mais ça bouge pas. Hein. Trois mouvements, c'est tout pourri. Chatard. Juste repousser, ça va. Bon blocage défensif. En plus, ça le met pas forcément dans une position très avantageuse. Et là, il se prend un turnover, c'est parfait. Très bon début de match. J'en demandais pas tant. Si on dégage lui. Si on se fait un peu de place, on va pouvoir se faire de la place pour un coureur d'égout et qui pourra aller marquer. Si tout va bien. Ça c'est bien. Toi c'est un petit bonus en force qui devrait le faire contre le zombie. Allez vous. Faut que tu te libères. C'est bon, t'as blocage. Ça risque rien. Parfait. Oh, cette fois-ci, c'est nous qui faisons la loi sur le terrain. Ce qui était inattendu. Hop, c'est parfait. Comme ça, on se récupère le bonus contre Biglito. On peut même tenter la cascade. Toi, tu vas jusqu'où? Porter la soutien offensif ou défensif. Ça pique. Et la régène, on s'en fout. Toi déjà, tu vas essayer de les faire à la place. Parfait. Allez, on pousse encore. Toi, tu vas pouvoir venir jusqu'ici. Réussis ton jet. Parfait. Les Skaven sont plus rapides que n'importe qui. Vise un peu ça. J'aurais préféré un meilleur jet, mais bon, on va faire avec. Hop. Le coureur d'égout, il va aller là. À cette vitesse, ça va être compliqué de l'attraper. La queue, Jim. Il y a les interceptions, j'ai pas trop envie. On va laisser notre lanceur en possession du ballon. Et pourquoi pas tenter le touchdown.
Pas terrible, pas terrible. Le zombie ou contre le revenant? Contre le revenant. Bon, on fait que le repousser. Mais c'est mieux que rien. Ouais. Un bon tour. Ah, je pensais qu'il bourrait notre porteur de balles, mais visiblement non. Encore une stratégie un peu étrange. Ça se relève. Ah, si, ça blitz le porteur. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Il a raté sa réception. Deux fois. Bon. Dommage, mais c'est pas fini. Ça, c'est pas grave. Ok. T'es dans une zone de contrôle, c'est chiant. Allez, hop. Parfait. Tu vas le poursuivre. Voilà. Notre lanceur, il va se relever pour apporter son soutien. Pour ramasser le ballon. Enfin, ça va blitz. Je suis optimiste. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? La goule à blocage, c'est chiant, mais par contre il a elle est repoussée, c'est suffisant. De pouvoir ramasser et marquer si tout va bien. Ça manque de zone de tacle et l'équipe adverse s'en mord les doigts. Et touchdown! Goal! Goal, 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 goal! Et voilà. C'est un petit peu mieux contre les orques. C'est un petit peu moins laborieux. On prend l'avantage sur notre adversaire direct. On a repris ses esprits. Bande de tirs au flanc. Deux joueurs de moins, c'est dur d'en venir. Va falloir des remplaçants. Il a laissé sa momie en plein centre. Ce serait bien qu'on s'en débarrasse. Un joueur de coronavirus qui n'est pas dans une zone d'attaque peut être déplacé dans une case d'atterrissage de la base. Dans la case d'atterrissage de la balle, c'est l'atterri sur une case vide. Vraiment. Oui, mais décidément notre botteur a décidé de le foutre tout le temps en touche. Encore une fois sur une goule. Et c'est lui qui joue au premier, d'où l'intérêt d'avoir la zone de contrôle peu à gauche à droite. Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Je pense que la blessure de sa momie au début du match a quand même pas mal fait peser la balance. Hein. Ouais, bonne relance. Du coup il se crée un chemin au milieu. Enfin, il est pas hors d'esquive non plus, hors d'attaque non plus, et là il est encore exposé, il va avancer son zombie pour le mettre en protection je pense. Ah non. Si. Bon. C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon. Dommage. Ah putain, vermine de choc perdu, c'est chiant. Ah non, 3 quarts, mais bon ça reste chiant, il avait blocage. Tiens, bim, ça me fait plaisir. Ça c'est bien. Alors déjà, on va relever les gens qui sont par terre. Toujours commencer par les actions qui ont le moins de risques. Parce que si on fait un turnover sur la première action, c'est la cata. Depuis le grand incendie à nul, il y a 8 ans. Alors, toi, tu vas pouvoir te déplacer là pour gêner le monsieur. Toi, t'as pas le bonus. Ça, c'est bien.
Tu peux le poursuivre, comme si tu rentres encore à corps avec la momie, ça va le faire chier un petit peu. Hop. On va annuler un petit peu ses bonus de contrôle. Ouais. Pas encore, hein. Il y a lui qui est chiant. Peut essayer de se faire la momie, hein. Même si on n'a pas trop de zone d'approche. Tu vas déjà couvrir les arrières là-bas. Toi, t'es libre de tes mouvements pour l'instant. Et toi aussi. On va aller défoncer le zombie là, je pense, puis ça nous permettra de d'éviter qu'il vienne en renfort là-bas. Ça sent la bonne grosse empoignade! Ça m'arrange pas. C'est mieux. Hop. Tu peux rester. Parfait en plus. Sonné, impeccable. Et tu peux aller embêter l'autre joueur là-bas. Oups! Il a fait une glissade. Alors toi t'es vraiment dans la merde, hein. Avec le bonus de force de la momie, t'es vraiment dans un sale état. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ah bah c'est parfait ça. Très bon. Très bonne défense. Le boulet. Oui bah oui. Il fait une belle action, puis il trébuche sur sa queue et il tombe. Pour l'instant on a des bons jets défensifs. Hein. Il se réorganise pour couvrir un petit peu. Toi tu as morflé. Oh non la chatte! La moule! La moumoule à sa maman. Alors. Toi tu vas pouvoir apporter un bonus de force ici. Toi tu vas déblayer par là. Non, faire mieux que ça monsieur, merci. Merde, il a esquivé. C'est pas grave. Tu vas rester là. Tu vas saquer le porteur. C'est pas courant de trébucher à cause de sa queue. Ouais, puis c'est un petit peu la frime quand même. Genre, ouais, j'ai trébuché sur ma queue. Oui, bien espoir. Toi, ce serait bien que tu arrives à le dégager. Parfait. Sonner, c'est déjà pas mal. Parce que toi, j'aimerais bien te ramener là-bas. Voilà. Je sens qu'on va se barrer. Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. C'est pas terrible, mais on va faire avec. Comment tu fuis des gens? Il y a des jets qui se font. En fait, il y a des jets qui se font à chaque fois en arrière-plan. Et c'est ce qui va déterminer les conséquences, par exemple, d'un tacle ou un truc comme ça. Donc, quand il est mis au sol, il y a des jets de blessures, de dégâts, etc. qui sont calculés. Et ça peut suffire à tuer un joueur, éventuellement. Mais il faut déjà un bon écart de force, en général, et puis... éventuellement, un petit bonus. Donc, il y a pas mal de chances qu'il joue, mais bon. Ouais, toi t'es en mauvaise position. Mais bon, on met la pression sur le porteur de balle. C'est bien. Ça repousse. Ça ne l'arrange pas, c'est parfait. Ça l'arrange même pas du tout. J'espère que le coach a fait tout ce qu'il voulait. Parfait. C'est à l'autre équipe de jouer maintenant. Parfait! L'occasion peut-être de mettre
que le porteur du ballon, Bob. Je sais, Jim. Je te signale qu'on regarde le même match. On va le poursuivre. Comme ça, on aura le bonus. Ce joueur va-t-il déposséder le porteur du ballon? Il est sonné, c'est très bien. 3 en ramassage, c'est pas top. Est-ce que toi t'as un chemin jusque là sans te faire éclater? Pas vraiment. Ça c'est bien. Tu peux le poursuivre, ça apportera un petit peu de soutien à ton collègue. Une blessure, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien d'avoir l'ascendant physique. Oh, il s'est remis quand il s'est régénéré. Il n'y a plus de vue. Hop, on va porter un peu de soutien au milieu. Ici, toi. T'as plus de ramassage, c'est parfait. Si toi, tu vas l'aider. En plus. Hop. Je ne garantis pas que ce joueur soit encore debout au début du prochain tour. Si c'est le cas, yep. Il y a du touchdown dans l'air. Non, t'es en mauvaise situation. Et toi, on n'en parle même pas. Hop. C'est bien la première fois que t'as son infidique. Oui, bonsoir, sacre. J'espère que tu ne parles que de woodball. Oui, à Chabrier, j'ai l'ascendant des grands bras, mais j'ai pas vraiment l'ascendant technique. On part sur un 2-0. Ah. Je retire ce que j'ai dit. On part sur un gros sac, si je puis dire. Ça va, c'est que repousser. Toujours les ghouls en défense qui sont un petit peu chiantes. Hein. Ça ne parle pas de Blood Bowl, tiens donc. Ça critique mon physique de Ragonda. La momie elle donne un bonus même quand elle est en blocage. Chasse à pique. Chasse à pique, madame. Ça déblaye au milieu de terrain. Lui par exemple il a un bonus pour les blessures. On va essayer de se débarrasser de ce sacripant. Steve aussi, mais c'est pas grave, on a fait de la place, c'est le principal, on va en profiter pour casser un petit peu du mur vivant. Ah, non, match nul, c'est pas grave, il nous reste encore un tour derrière, le turnover est pas, oh putain, j'allais dire le turnover est pas gênant, par contre la blessure ça l'est, c'est pas grave, aucun blessé, aucun effet long. C'est comme ça qu'on s'y prend pour démolir un homme, hein. Un bon coup de poing sur le museau et ça leur coupe l'envie de gigoter. Mais pourquoi est-il aussi méchant? On va pouvoir marquer au prochain tour. Alors, est-ce qu'il va tenter de tabasser des gens au sol? Oui, c'était bien, ça s'est pas déroulé comme je pensais. Dans ma tête, ça sonnait mieux. Il sait pas trop quoi faire, hein. Vu, bouge. Le ballon est en danger et le porteur aussi. Hop. Tour 8. La lui juste avant la mi-temps. On l'empêche de marquer. Hop. Alors si tout va bien, on devrait pouvoir au moins le repousser. Bon, il a blocage et esquive, de toute façon, il s'en sort. Mais l'important, c'est qu'on dégage notre porteur de balle pour aller au touchdown. J'en dégomme mon casque de joie. 2-0. Allez. Enfin, j'y devrais. Pom, pom, pom. Ah, par contre, il pourrait virer... Il pourrait virer Pom Pom Girl pour mettre des rats, parce que là, les humains, c'est dégueulasse. La poticarde va devoir sortir l'éponge magique, cette fois. Bon.
déplacer ce joueur tant que c'est encore faisable. Va se placer en attaque. Cette équipe doit rester calme et concentrée. Manque des gens. Ils vont finir par rendre le ballon à l'équipe gagnante. Encore. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait attaquer par là. Enfin, ça devrait tenter de défendre par là. Nous, on va subtilement tenter de prendre par l'autre côté. Vous allez voir, ça va être subtil. Elles sont où les pom-pom guns, Scaven? Je ne sais pas. Hop, et on se met au milieu de la croix rouge. En espérant que ce ne soit pas de mauvais augure. Tous les joueurs peuvent, peuvent bouger gratuitement sur une cage adjacente, c'est parfait. Hop. Oh, ça ne change rien au fait qu'il est... Ah non, si, il n'y a même pas les zones de contrôle. Toi, tu vas quitter le contact de la momie. Hop là. Le lanceur, il va se poser au point de réception. On va valider. C'est pas grave. Ce sera mieux la prochaine fois. Du coup... On a un 3 quarts qui va venir en renfort ici. Ah, c'est que je m'ennuie, là. Qui connaît les règles du Nurkling Massacreur? Ça ramasse si tout va bien. C'est bien fait, circuler, oui. Y a rien à voir. Ça, allez. 5 en passe, c'est long. 4 en passe, c'est mieux. Scarf, un jour, comprendra qu'il ne faut pas utiliser les... Allez, Blood Bowl panache. Raté. On réussissait sur un 2. Mais du coup, notre lanceur, il gagne un point de... d'XP, ce qui est bien. Hop. On va essayer de faire un petit peu de place. Ça, c'est bien. On n'a pas de blocage, c'est chiant. Le mec a été banni. Oui, c'était ridicule. Zombie n'a pas de blocage, donc on peut le défoncer. Pas en zone de contrôle. Tu veux essayer de faire de la place ici. C'est pas mal. Il est où le porteur de balle? Il est là-bas, ça va. Parfait. Tu peux rester là. Voilà. La bonne tatane à sa maman. Et on a déjà blitzé. Ouais, dommage. Personne s'est pu encaisser. Le turnover, mais c'est pas grave. Ça serait pas arrivé. C'est pas forcément gênant pour l'instant. On a plus qu'une relance d'équipe, du coup, il va falloir quand même faire attention. Mais bon, on mène 2-0 au score, donc ben, ça va. C'est pas la cata encore. Hein. On est en possession, on est bien protégé. Ah. T'as blitzé, ça rate. Pour l'instant, suppute être pire. Ça, ça pique. Ça aussi. Sonner ça. J'espérais qu'il soit pas blessé. Ça me rappelle la célèbre histoire Nurgling et Grand Immonde. Mais sans miracle ce coup-ci. Garde, c'est pas mal comme compétence. Hein. Il poursuit pas, ça m'étonne.
Alors, si on arrive à le dégager lui, on a suffisamment de mouvement, je pense, pour bien avancer. Alors, hop, debout, debout les morts. En force. Ouais, C'est le moment de vérité. bordel, le jet tout pourri, c'est mieux. Bon geste. Comme ça, le ballon est moins menacé. Hop. Toi, j'aimerais bien que tu puisses faire de la place, mais tu vas pas trop pouvoir. Toi, t'es en zone de contrôle. Ouais, toi, tu vas aller là. Scarf, tu gères ce cheveu. Bonne question, je crois que t'as pas mal joué à Blood Bowl, Scarf. Tu vas essayer de le défoncer, faut que tu mettes le paquet. Parfait. Hop, tu vas le poursuivre. Il est pas saigné, c'est dommage. Ça contourne. Très bien ça. Hop. Et ça va aller par là. On approche gentiment du À cette 3-0. vitesse, ça va être compliqué de l'attraper. La queue, Jim! Il suffit d'avoir la queue! Ah, t'es encore là, toi. Hop. Pas sur cette version, mais plutôt lui. Sur le premier Bloodlord, t'as pu jouer? Ah putain, mais ces ghouls, elles sont reloues. Ils ont beaucoup de déplacements. S'il blitz mon porteur, ça va être gênant. Il a un gros bonus d'attaque. Bloodball bonne édition légendaire, le mien. C'est le premier. Ouais, je l'ai pas mal dosé aussi, le premier. Il était bien sympa. Bon, en fait, vu que les règles ne changent pas entre le 1 et le 2, c'est discutable en termes. Oh, aïe, ça va faire mal. C'est discutable en termes d'intérêt du. L'ultraviolence. Bah oui, esquive. Bien sûr, esquive. Ah, c'est là qu'on voit la seule vraie utilité du ballon. Identifier la prochaine victime. Je sais pas pourquoi il m'a demandé si je voulais utiliser esquive. Il y a quoi comme compétence? La cause d'équilibre? Un blessé qui va rater le prochain. Ouais, mais Vermine de Champ, elle commence un petit peu trop à prendre cher. C'est un petit peu le poste de la souffrance hein, chez moi. Ah, un mort. Ah, bah c'est pas celui qu'on a embauché pour le match. Allez, salut, hein. Salut, artiste. Chapeau. Ah, du coup, vrai, il y a... ça serait bien moins amusant que de commenter des Ah, du coup, le nécro, il génère des nouveaux joueurs à partir des morts. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Tu veux essayer de le dégager. Il est plus à la salle. Ouais, parfait. Des fans qui ont l'air affamés. Très bien. On est en position de 3-0. Par contre, on n'a plus personne pour défendre au prochain round. Et ça fait chier, parce que là, du coup, on a un turnover. On a un peu trop voulu jouer. En plus, on a un KO, super. On retrouvera peut-être ça. Oh, attends, il se passe quelque chose. Et un ragoût de rat au dîner ce soir. Ce joueur a quitté le match. Et peut-être aussi son enveloppe charnelle. On n'avait plus de relance d'équipe. C'est con. L'avantage c'est que là le porteur il a un petit peu de. Un petit peu de soutien, mais ça va peut-être pas être suffisant. Toi tu vas te faire défoncer.
du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. On va perdre la balle. Il est pas loin de la zone de but. Perte de balle et c'est renvoyé là-bas. Oh là là, mais le moulax. Le chatard. Ça arrange pas notre situation du tout. Ah, grosse moule. Il rate sa réception, plus il y a un jet de merde en réception. Bon. On va peut-être quand même pouvoir gérer la situation. Toi, t'as d'arrêt de bouger parce que tu vas mourir. Ah. On perd l'ascendant physique, hein. On perd l'impact du deuxième mi-temps. On dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de première. Ça aurait pu être bien pire. Toi, tu m'as l'air bien ensanglanté. Tu vas ramasser et tu vas arriver là. Et ça va être pas mal déjà. Hop. Il y a des chances d'interception sur une passe. Ça se tente d'habitude, mais là non, on va jouer prudent. On a déjà fait le kéké suffisamment. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Bien, on s'en est sorti de cette situation un petit peu hasardeuse. Comme on pouvait, mais on s'en est sorti quand même. Par contre, Nietzsche, je suis désolé. Adieu. Ah non. J'ai cru qu'il allait se faire pousser dans le public et il serait mort. Ou blessé, je crois. Dans tous les cas, un truc pas très agréable. Ok. Je vais essayer de couvrir les arrières. Allez, les gars, tous ensemble. Le combat est très déséquilibré, Bob. Eh oui. Son adversaire va se faire atomiser. Blessé. Ah ouais, c'est mort dans le public. Je savais plus si c'était mort ou blessé. Tiens, on commence à avoir une paire de blessés. Hein. Garde tout le reste de sa courte vie. Je crois que l'avantage des scavens, c'est qu'ils peuvent avoir des mutations aussi quand ils montent de niveau et que les mutations c'est assez balèze. Alors. Tu vas tenter de te sortir de ce mauvais pas. C'est mieux. Sinon, t'avais des chances de mourir, et comme t'avais déjà monté de niveau, ça aurait été ballot. Il a du soutien. Mais c'est même pas la peine. Toi, pour l'instant, t'es hors des zones de contrôle. On va tenter de percer. Je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer. Contre les Skaven ! Je me pied sur toi mon odorat, Jim. Commence à sentir le vieux fromage. Balancez la sauce. Ah. Il s'est pris une tatane sur la tentative d'esquive. Ça s'est mal passé. On va faire perdre du temps en tout cas, hein. C'est déjà pas mal. Lui, c'est la victime désignée du match. Il en faut un chaque match, hein, qui a uniquement pour se faire tarter. Allez. Ce joueur va-t-il déposséder le porteur du ballon ? Ah, il a l'esquive. Pourquoi tu voudrais que je l'utilise pas ? Ça n'a pas de sens.
l'utilité du ballon. Identifiez la prochaine victime. Oh là là. Il rate le prochain match. Parfait. Mes pauvres petits rats, je sais pas combien vous allez être en défense au prochain tour, mais pas beaucoup. Non, j'ai pas eu un autre mort, je crois que j'ai 3 ou 4 blessés là. Je suis à 3 blessés, 1 mort. À 4 blessés, pardon, 1 mort et 3 sonnés. Quand lui avec sa régène, il est à 1 blessé, 1 KO. Et j'ai plus de remplaçant, accessoirement. Ce serait osé. Ils sont plus que 5 sur le terrain. On va tenter de le déménager lui. Mieux que rien. En fait, ça se tente. Ah putain. C'est pas grave. En limite, je préfère prendre un touchdown et retrouver une équipe à peu près entière. Encore que je sais même pas si je peux retrouver une équipe totalement entière. Ça risque d'être fin de match par manque de joueurs de mon côté. Ça y est, il a ramassé le ballon. Apparemment, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. C'est un match gagné, je suis pas encore sûr. Il y a encore quelques tours, alors ça, normalement au niveau des tours ça devrait aller. Mais il devrait en mettre un, je pense quand même. Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Ce qui vient, c'est que lui, il aura mobilisé du monde sur lui. Hein. Run away! Exactement. Nous sommes donc à 1, 2, 3, 4 scaven conscients sur le terrain. Ce qui n'est pas ce qu'on appelle dans le milieu une situation idéale. Oh là là, et en plus on se fait le fumble. Parfait, super. C'est les restes d'un émien, toi ? Ah ouais. J'avais oublié que j'avais un mec là. Évidemment que ça blitz. Ouh, il ne fait pas bon se retrouver là. Très bien. Petit coup de chance. Là non. Par contre, il peut toujours embêter celui-là, donc c'est pas plus mal. Bon, avec le bonus du zombie, je pense que ce beau vieux Nick va se faire éclater. Ouais. Là-bas, du crapaud, on n'atteint pas la blanche colombe, ni le porteur du ballon. Là je vois pas trop, j'ai 1, 2, 3 quarts qui doivent revenir, donc 1 et demi. J'ai un coureur d'égout qui doit pouvoir bouger aussi. On peut peut-être tenter l'inter. Ouais, avec la momie autour c'est mort. Là, sur le long terme leur régénération aura quand même fait la différence parce qu'on avait bien fait le ménage en début de match, mais... Double KO. Double KO. Sur un coup d'éclat ultra violent. C'est vrai qu'il nous manquait encore pas trop de joueurs. Qui voit ça ? Crétin à moustache ! Un petit somme et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. C'est plus un banc de touche, c'est un cimetière.
Hop, t'as bien par là, toi. Toi, tu veux bien là. Est-ce qu'on tente un truc complètement stupide avec notre coureur d'égout? Non. Faudrait déjà tenter l'esquive. Ça passe. C'est compliqué à gérer à long terme comme équipe. Ça dépend. Les scaven à long terme, ça va encore. Toi, il faut absolument que tu te sors de cette zone-là, sinon tu vas mourir au prochain tour. À moins que je te laisse là coucher par terre. Tu vas rester couché et faire le mort. Les scaven à long terme, ça va encore. Après, quand ils ont beaucoup d'esquive, beaucoup d'agilité, etc., ça va. Les morts-vivants, je sais pas. Je les ai jamais joués, donc. Donc tu te fais dérouiller à chaque fois. Bah ouais. Ça dépend en fait des équipes. Comme ils sont pas très forts physiquement, dès que t'es sur une équipe qui a un petit peu de répondant derrière, c'est assez chaud. Mais ils ont une grosse esquive, etc. Donc ça peut être bien. Putain, ils ont décidé de faire ménage. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. C'est l'esquive, ce qui va faire plaisir. On libère le porteur de balles, c'est propre. Une bonne chose de fait. Il a pas assez de points de déplacement pour les marquer, je pense. Et non, c'est ballot, ça finira sur un 12-0. Après un match pareil, il faut que je change de sous-vêtements. Eh ben, Bob, prends le relais le temps que j'aille me ragailler. Un match dans la douleur et dans le sang. Surtout dans le sang. Surtout le nôtre. Mais une victoire quand même. En plus avec un beau gain de trésorerie, ça fait plaisir. Ça nous permettra de racheter des gens vivants. MVP, notre coureur d'égout qui monte de niveau. Et un zombie de leur côté. Et surtout, au classement, on est seul en tête avec 4 victoires. Et ça, c'est bien. Prochain match, on est contre... les Pierced Flames. Et c'est des... Oh, des elfes. Prochain match, on se fait des elfes. Ni, j'aime pas les elfes. Alors on a quand même les stats, on avait quand même une meilleure proposition de balle. L'occupation du terrain kiff. On a réussi une passe et une réception. On a réussi plus de blocage. Ils nous ont mis 4 KO, 5 blessures, 1 mort. Alors que nous on a mis 3 KO et une blessure. Mais nous sommes en tête de la ligue, et ça c'est le principal. On va monter de niveau ceux qui sont encore capables de monter de niveau. On a 3 à monter de niveau. Toi t'es blessé pour le prochain match, toi t'es blessé pour le prochain match. Alors, passer de niveau. La Banque of Aldorf. Il me paraît qu'il n'y a pas meilleur endroit. Une compétence. Forcément. Il partage la chambre forte avec les sorciers d'or. C'est pas n'importe qui va entrer là-dedans. Prenez-y, ça ne servira pas. Blocage de passe, non. Blocage non plus, ça sert à rien pour un coureur d'égout. Dextérité, ça peut servir au moment de ramasser le ballon. Ça c'est pas mal. Ouais, mais c'est pour bloquer donc c'est pas nécessaire. Le joueur peut utiliser lui de faire un résultat de moite-moite. Les deux joueurs sont mis à terre dans les deux cases de leur case, même s'il y en a deux ou qu'il y a plus tant de blocage. Pas de turnover, excepté si le joueur de l'équipe addictive est porteur de ballon. C'est pas mal. En agilité. Saut, réception, équilibre.
L'Épique, le magazine que tout le monde lit, des joueurs jusqu'aux supporters. Ramassis de journaux à la manque. On va prendre Sou, tiens, allez. Ça va nous changer. Et niveau 2, Minei. Nanar. On a un cours à dégoût. Ça passe aussi niveau 2. Mais qui est blessé, donc ça va être un peu moins important. Une compétence. On va prendre Pro. Ça permettra éventuellement d'avoir des relances gratos. Et on a un lanceur. Qui fait un double. Compétence de double. Il peut avoir prendre l'agilité, une force ou une mutation. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme mutation? Bras supplémentaire. 1. Tous les jets de réception ou de ramassage. 1. Au jet d'esquive quand il a deux têtes. Répulsion, c'est pas mal, ça évite d'être bloqué. Très longue jambe. Lorsqu'un joueur est autorisé à ajouter 1 au jet de D6 lorsqu'il tente d'intercepter le ballon ou utiliser compétence saut. Ouais. C'est pas mal quand pour un réceptionneur. Le saviez-vous? L'expérience que préhensif, c'est pas mal. Sur l'utilisation de ballons en granit n'a rien donné. Alors force, qu'est-ce qu'il a acheté? Une protection. Blocage multiple. Garde, c'était pas mal. Hein. Ça permet de l'avoir toujours un bonus. Esquive, c'est bien aussi. On va prendre garde. Deux têtes. Non, deux têtes, c'est pas si bien que ça, parce que... C'est bien pour un coureur d'égout, par exemple, ça permet d'améliorer les esquives. Mais lui, il a déjà pas esquive, donc ça aide pas. Ça, c'est pas mal non plus, mais plutôt pour une vermine de choc. Non, non, garde, c'est pas mal, ça permet d'apporter du soutien, même si on est en train de bloquer, donc c'est cool. Ah bah, sinon, il y a un truc qui améliore les passes, c'est pas mal non plus. Châtaigne, c'est pas terrible. Ouais, on va miser sur le fait qu'on fasse des passes de temps en temps. Tu n'as pas... C'est fou. Petite soif, Bob. Toujours, Jim. Hop, est-ce qu'on peut racheter quelque chose? Il manque 10 000 pour une relance d'équipe, c'est dommage. Du coup, on va s'arrêter là en termes de dépenses. Putain, il va pas être très nombreux au prochain match. Au prochain match, on avait dit que c'était des elfes, donc normalement, on devrait pas prendre trop cher au niveau physique. Ça tombe bien, parce que bon, on a pas trop ce qu'il faut en face. Mais du coup, le prochain match, ça sera pour la prochaine fois. YouTube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et puis, des bisous. Salut.